En direct de nos studios de New York, nous sommes en ligne avec Patrick Dunn, porte-parole de Watershed Electric. Monsieur Dunn, que peut-on affirmer à l'heure actuelle ? Tout ce que nous savons, c'est que ce n'est pas un accident. Si ce n'est pas un accident, c'est donc forcément intentionnel. Les Japonais ont été touchés, comme nous. Inutile de chercher bien loin pour trouver les responsables. Voilà, Otomo. Nous sommes apparemment dans le même bateau, amiral. Notre analyse de la situation montre que les pressions exercées sur nos réseaux d'alimentation rappellent celles qui ont causé la chute de nos marchés boursiers. Coréens et Chinois sont impliqués, c'est évident. Ne nous emballons pas, amiral. Nous menons des recherches sur un certain Zerkesi. Il a eu accès aux algorithmes de guerre de l'information en Géorgie. Et il a été consultant en matière d'énergie suite à la coupure de 2003. Oui, nous sommes conscients de cette connexion. Et où est Zerkesi ? Nous l'ignorons, mais nous le saurons bientôt. Je vous tiens au courant. J'ai bien peur que nous soyons face à une tentative délibérée de déclencher une crise de portée mondiale, Fisher. Zerkesi en sait sans doute plus que n'importe qui d'autre au monde sur la guerre de l'information. Et quand on y ajoute le fait que Display, c'est une armée privée prête au combat et mieux équipée que la plupart des gouvernements, il faut savoir s'il s'agit d'une coïncidence. Ou si quelqu'un chez Displace est en train de tenter un très gros coup. Mais comme Displace est sous contrat avec le département d'État, cette affaire est extrêmement politique. Donc, mission de reconnaissance uniquement. Défense de tuer qui que ce soit. Les bureaux de Displace International occupent les trois derniers étages de la tour Hans, au centre de Manhattan. Les comptes de la société indiquent d'importants investissements pour protéger ses locaux et son infrastructure, même en cas d'attaque terroriste majeure. L'imagerie satellite confirme les recherches de Grimm. Displace fonctionne à plein régime. Apparemment, sa direction prend actuellement part à une réunion du conseil municipal de New York. Peut-être pour lui proposer de protéger la ville à la place de la garde nationale. Ce serait extrêmement opportuniste de leur part, mais difficile de leur en vouloir. Pour moi, il n'y a rien de louche là-dessous. Mais si le patron veut qu'on y regarde de plus près, c'est ce qu'on va faire. Nous devons savoir si Displace et Zerkesi sont de mèche, Fisher. Et tant qu'on ne le saura pas, on la joue discrète, c'est ça? Oui. Ne tuez personne, j'annule la mission. Pentagone travaille avec Display sur cette voie. Ne pas tout de suite. Président, vous ferez un focus si jamais... Ça devient irrespirable à l'intérieur. Je m'en tape de ce que veut Marco, je le connais même pas. Bah, je vais lui dire. Si ça t'amuse... Tu vas avoir des ennuis, mon pote. Si tu le dis. Qu'est-ce qui a éteint ? Il n'y a personne ici. Aucun problème. Alors, ça vient. De demander la protection de la garde nationale à ce niveau. Mais il faut quand même reconnaître que c'est une organisation d'une grande lourdeur. C'est ce dont nous avons besoin, d'une présence. Au contraire, les gens ont besoin de protection, mais ils ne veulent pas voir qu'on les protège. Ça leur fait peur. Certes, avoir la garde nationale à tous les coins de rue maintient l'ordre, mais à quel prix? Ils s'y feront bien, Julia. Et au final, ils se rappelleront que la garde nationale ne coûte rien. N'oubliez pas que nous parlons des contribuables, là.
Nous n'avons pas besoin d'un nouveau scandale financier. Quoi ? Venez, j'aimerais vous montrer quelque chose. D'accès au serveur centralisé de Display sur son portable. Lambert a été on ne peut plus clair. On ne tue personne. Si tu restes près de lui, tu pourras peut-être pirater son portable à distance. Ça vaut le coup d'essayer. Chaque service de Display a son propre serveur, Fisher. Je viens d'envoyer sur ta montre terminale un programme permettant d'accéder à leur réseau. Tu veux que je le télécharge sur le serveur de chaque service ? J'aimerais bien, oui. C'est demandé si gentiment. Beau travail, Fisher. C'était le premier de leur serveur. Si tu télécharges ce programme sur tous les autres, je pourrai les espionner en permanence. Je vais voir ce que je peux faire. Laissez-moi juste m'occuper des fenêtres. J'adore vraiment ce truc. Il nous en faut à l'hôtel de ville. Envoyez-moi un email pour me le rappeler. Je vous aurai un bon prix. La vache ! Bizarre ce truc. Oui, je connais. C'est une fenêtre électrochromatique, je crois. Un léger courant électrique suffit à modifier l'opacité des cristaux microscopiques incrustés dans le verre. Cool. Ce serait bien si tu pouvais modifier l'opacité des fenêtres. Je télécharge ça sur ta montre terminale. Merci, Will. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me montrer ? Il y a quatre décorations en laiton dans l'entrée de l'Empire State Building. C'est de l'art déco, mais elles représentent les quatre étapes de la construction des gratte-ciels. C'est-à-dire l'ingénierie, la finance, l'immobilier, au travail, les machines, le béton, la décoration. Maintenant, tu vas pouvoir accéder au serveur du rez-de-chaussée. Facile, avec la technologie sans fil. Eh oui, bienvenue dans l'ère Wi-Fi. C'est simple. N'oublie pas que tu parles à un rescapé de l'ère Wi-Fi. Haute teneur en fibre, c'est ça ? Et ? Je ne suis pas encore bon pour l'hospice, gamine. Vous vous inquiétez du coût et de ce que les contribuables risquent de penser, Tom. Mais c'est une erreur de penser que les deux sont liés. Les escaliers sont bien moins chers que les ascenseurs, et pourtant, ils ne figurent pas dans les quatre étapes de la construction des gratte-ciels. Pourquoi, Tom ? Parce que personne ne veut monter 70 étages à pied. Et est-ce que les gens se plaignent des ascenseurs ? Bien sûr que non. Tout à fait. Et je vais vous dire pourquoi. Le coût des ascenseurs ne se mesure pas à ce qu'ils offrent, mais à ce qu'ils permettent d'éviter. D'accord, Display c'est cher. Et ce qu'il faut voir, ce n'est pas ce que vous voulez, mais plutôt ce que vous permet de faire. Évidemment, le chef. Télécharge le programme sur le dernier serveur et je serai la femme la plus heureuse du monde. Tu n'es pas difficile. Le libre accès est le meilleur ami de la femme. Comme mission. Sauf qu'il paraît que ce type est vraiment sûr. Pas grave, il a quitté la ville de toute façon. Quoi ? Vous gardez juste son appart alors ? Ouais, et on vide tranquillement son bar en jouant aux jeux vidéo. Et tu sais quoi ? Il a le nouveau Prince of Persia. C'est vrai ? J'ai entendu dire qu'il était super. Le jeu de l'année, mon pote.
Je meurs d'envie d'y jouer. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a encore ? Carte dedans ? Ça marche d'habitude. Parole de spécialiste, hein ? Moi j'y touche pas. J'ai la berlue ou quoi ? Peut-être, mais... Oh non ! Pourquoi t'as dit ça ? Je l'ai complètement oublié. Pseudonyme. Je vais essayer de trouver qui il est vraiment. De toute façon, il nous faut accéder à son ordinateur. Son bureau doit se trouver dans les derniers étages. L'électricité est revenue. Je t'ai dit vu, Grimm. Tu es de la compagnie. Faudrait peut-être... Ok, je vérifie juste vu, que ça bon va. Je voudrais pas que quelque chose est grillé quand le courant est revenu. Appelle-moi si t'as besoin de quelque chose. Pas de problème. Des potes à Istanbul le mois dernier. Il est sorti du bar avec l'envie de se battre et on l'a retrouvé le lendemain matin couvert de sang. Pardon ? Ouais, Stan pense qu'il a tué quelqu'un. Apparemment, c'était dans le journal du lendemain. Les flics d'Istanbul auraient retrouvé un type lacéré de partout à deux rues du bar. Oh, la vache ! À mon avis, ce serait une bonne idée d'aller voir si on peut trouver quelque chose sur lui, sur son PC. Le code du service est 2346. Je ne connais pas celui de son bureau. Je vais essayer de l'obtenir. Si je l'ai, on ira ensemble. D'accord. Désolé de vous faire venir si tard, mais il nous faut rajouter des hommes à la protection de Zerkezi. Et l'ordinateur a craché votre nom. Zerkezi ? Le dingue du penthouse, c'est ça ? Je ne suis pas sûr qu'appeler le client le dingue soit une bonne idée, mais oui. En fait, c'est le penthouse qu'il faut défendre. Milos Novak. Qui ça ? Milan Nedich. Je confonds toujours ces noms-là. Enfin bref, Zerkezi n'est pas là en ce moment, donc il suffit de protéger son habitation. Ok, ça a l'air d'être du velours. Eh ben, il y a quand même eu quelques problèmes. Vous aurez quand même droit au bonus, comme si le client était présent. Ça me va. Bien. Vous prenez votre service demain à 13h. Pas de problème, j'y serai. Bien joué, Fischer. Voilà le vrai nom de Milan Nedich. Seigneur, c'est Milos Novak. Novak ? Qui c'est ce gars-là ? Le barbier de Bosnie, soupçonné de crimes de guerre en Bosnie. Aurait scalpé un de ses prisonniers. Il est recherché par la haie ? Oui. Je te parie mon chapeau qu'il ne sera jamais jugé. Je n'ai jamais aimé les jeux d'argent de toute façon. Thank you.
Hokkaido. Hokkaido? C'est l'Alaska du Japon, non? Oui. On dirait que Milan Nedich y a amené Zerkesi en secret. Intéressant. Il faut vraiment parler à Shetland, alors. Le département d'État va s'en charger. Vous, vous allez à Hokkaido. Un hélicoptère vient vous chercher sur le toit.